أمس ليغا في ميلر ذي ثمورث الماروك يغال ذي في كلتين يظن مازال أرثورة في كسوغاس 96 دادغا في كسوغاس نجينغورا يتكرني نزداغ نتاما تاقيني ميلر ميال تسقى موت سناغ ميال تاكوبانيث أن ثمورث الماروك مقارن مناجم يتخدمن يوثن المينا ذينا على حسب سن توحق لنسواطا سولين سادرار قريب ذينا غيزدغن ذي كسوغاس نجينغورا سوتورن يوكن أديلي غستخار من تكوباني ثاقيا الدولة اللانو ذي قارنا كن يتسكيدي سعان وغليل محمد وستا بغاني وكن أت حدث لقديشي نسي من طرنا تاس أما تاونات أما تزمر تنسان ما كن ذا نورثني دي صح خيرا دقوين إيد السفو تكوباني ثاقيا نما نجم ساقيا كن جاي وكن دنسل محمد إدوادي يون جريم ضبرا أن تدوخ ليغ إيقدشن يوكن أديم سلاي غفتواغيث إقدران أقود تاماتاقيا نميثر. La commune rurale d'Imeder englobe 7 villages dont habitaient presque 4000 personnes selon le dernier recensement de 2014. Cette commune-là est nichée au pied du Haut Atlas à 150 km à l'est d'Ouarzazate. Sur le même territoire est implantée la grande mine d'argent, productrice de l'argent au niveau du nord d'Afrique. Cette mine-là est exploitée par la société métallurgique d'Imeder, contrôlée par le groupe managing filiale de la Société nationale d'investissement. Pour le mode de vie des villageois, il est basé sur les activités agricoles, les activités pastorales, de l'agriculture, etc. Avec un système d'irrigation traditionnel, c'est-à-dire le khoutara. Mais malheureusement, ces activités minières menées par la société métallurgique d'Imeder ont divers effets négatifs sur l'environnement en général. Premièrement, à cause de la pollution minière. Sachant que la mine utilise des produits toxiques durant les opérations de traitement de l'argent sur place ici à Imeder, alors qu'il fait ce traitement à base de cyanure qui est une matière très très toxique, sachant aussi que les déchets liquides, gazeux et solides sont dispersés par la suite, ils sont libérés à ciel ouvert sans aucun traitement à l'ombre et à l'ombre de l'absence d'aucune approche de management environnemental adoptée par la SNI. Il y a eu aussi le problème de la surexploitation des ressources hydrauliques. Depuis les années 80, la mine exploite plusieurs points, plusieurs forages sur la région, ce qui a influencé négativement le débit du Khoutara et le débit du puits, le débit de l'eau sur les puits de ferme, ce qui a résulté la disparition d'une dizaine de fermes d'agriculture. Et par la suite, il y a eu des nouvelles exploitations des ressources hydrauliques dans de nouveaux points à Imeder depuis 2004, ce qui a influencé directement, ce qui a résulté la baisse du débit du Khoutara à presque 60% suivant les résultats d'une étude réalisée par un bureau indépendant, un bureau d'études, dont presque moins d'un an de début de l'exploitation. À côté de ces deux problèmes-là, de la surexploitation de l'eau et de la pollution, la mine a tué l'économie locale. Il a tué l'économie locale parce que il a tué l'agriculture, la principale activité source de revenus pour les villageois. Mais malheureusement, il n'a pas fait même une tentation seule de créer des alternatives pour les villageois. Par exemple, par l'embauche ou bien la création des postes d'emploi offerts par la mine.
Par contre, il a exclu la main-d'œuvre locale dans les postes d'emploi offerts par la mine. Et il n'a pas investi dans les projets de développement local. Il y a eu des problèmes, même actuellement, il y a eu des problèmes de l'absence des infrastructures, soit au niveau sanitaire, au niveau de l'enseignement. Les élèves souffrent dans les diverses campagnes de la commune. Il y a des problèmes du chômage. Et malgré l'existence d'un grand projet à la commune, mais il y a encore du chômage parce que la mine il a exclu systématiquement la main-d'œuvre locale des offres des emplois offerts par la. Avec cet ensemble de problèmes créés par ces activités minières menées sur nos territoires, la population locale a sorti plusieurs fois et à travers l'histoire, il a organisé des formes de protestation diverses. Il y avait des sit-ins, il y avait des manifestations. Toute la population participe. Il y a des enfants, il y a des âgés, des femmes et des garçons aussi. Depuis 1986, il y a eu des protestations aussi en 1996, en 2004, en 2010 et depuis 2011 jusqu'à nos jours. Sous l'encadrement du mouvement nommé sur la voie de 96 par référence à la lutte de 96. Mais malheureusement, on a aussi toujours, on reçoit la même réponse qui est la répression. Il y avait des arrestations en 86, il y avait des arrestations en 96, il y avait aussi dans l'actuel combat, il y avait presque plus de 30 personnes qui sont arrêtées.